GeForce GTX 680. Il s'agit de la nouvelle carte très gamer de chez Nvidia. On découvre qu'il s'agit d'un modèle de chez Zotac. On découvre aussi un autocollant qui va vous intriguer, je m'en doute, avec Assassin's Creed dessus. On va découvrir ce que cela veut dire en ouvrant la boîte. Alors, on tombe sur une nouvelle boîte Zotac. On ouvre et là on découvre effectivement que en bundle est livré 3 jeux Assassin's Creed, le numéro 1, le numéro 2 et Assassin's Creed Révélation. Donc il y a les CD avec les clés. On découvre également le classique manuel et le DVD avec les drivers. Deux adaptateurs 6 pins pour alimenter la carte graphique. Un adaptateur DVI VGA. Et en soi, la carte, c'est ce qui vous intéresse sûrement le plus. On découvre tout de suite la signature Zotac avec l'autocollant façon nid d'abeille. Le noir et le orange cher à la marque. Le PCB est noir, donc le rendu est franchement convaincant. La carte arbore le GeForce GTX vert typique de la GTX 680. La carte nécessite 2 6 pins pour être alimentée, qui sont l'un en face de l'autre, sur 2 étages différents. La carte offre 2 sorties DVI, une sortie HDMI et une sortie DisplayPort. Le GPU est à 1006 MHz et il sera boosté à 1059 MHz selon les besoins. La mémoire est quant à elle fréquencée à 1502 MHz. La carte embarque 2 Go de GDDR5 qui sont interfacés en 256 bits. Donc voilà, nous allons normalement brancher la carte, la bencher et vous livrer un test très bientôt. Au revoir.